Bonjour à tous. La matière est principalement constituée d'atomes empilés. Mais qu'est-ce qu'un atome en réalité? Sa structure et ses dimensions correspondent-elles vraiment aux représentations futuristes que nous connaissons? Où se situe sa masse et ses charges? Qu'est-ce qui détermine ses propriétés chimiques? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Un atome est constitué d'un noyau central et d'électrons qui tournent autour. Les dimensions de l'atome sont de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, soit 100 picomètres. Les dimensions de son noyau sont de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, soit l'ordre de 20 mètres. Si nous faisons le rapport des dimensions de l'atome sur les dimensions du noyau, nous obtenons le résultat suivant. Donc, dimension de l'atome, 10 puissance moins 10 mètres. Dimension du noyau, 10 puissance moins 15 mètres. Et si nous faisons le rapport de l'un sur l'autre, nous obtenons 10 puissance moins 10 moins moins 15, ce qui vaut 10 puissance 5, soit 100 000. L'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau. C'est assez difficile de se représenter ce qui est 100 000 fois plus grand, mais imaginez que l'atome soit grand comme la Terre. À ce moment-là, son noyau serait grand comme un stade de football. Quelles en sont les conséquences? L'atome est principalement constitué de vide. En effet, si nous regardons ce schéma, le noyau étant tellement petit et l'atome tellement grand par rapport à lui, il y aura plus de 99,9% de vide. On dit que l'atome a une structure lacunaire. L'atome est constitué de trois particules différentes, les neutrons, les protons et les électrons. Le neutron n'étant pas chargé, les électrons portant une charge électrique moins E, les protons une charge électrique plus E. E étant la charge élémentaire, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Pour respecter la neutralité électrique de l'atome, il doit y avoir autant d'électrons que de protons. Si nous regardons l'exemple du lithium, le lithium possède 3 protons, 4 neutrons, et donc forcément 3 électrons pour avoir la neutralité électrique. Le noyau de l'atome est la partie centrale de l'atome. Il est constitué donc de deux particules, les neutrons et les protons, appelés nucléons. Il y a A nucléon dans un atome, Z proton, et donc N est égal à A moins Z neutron. Si nous reprenons l'exemple du lithium, le lithium a dans son noyau 3 protons, 4 neutrons. A est égal à 4 plus 3 égale 7, 7 nucléons. Z égale 3, 3 neutrons. N est égal à A moins Z, 7 moins 3 égale 4 neutrons. Pour voir si vous avez bien compris cette formule, nous allons faire une petite application. Nous allons tout d'abord déterminer le nombre de neutrons dans un noyau de fer. Et ensuite, nous allons essayer de déterminer le nombre de nucléons dans un noyau de sodium. Pour le noyau de fer, nous avons N qui sera égal à A moins Z. A, nombre de nucléons, 56. Z, nombre de protons, 26. Et si nous faisons l'application numérique, nous avons 30 neutrons. Pour le noyau de sodium, nous avons un nombre de neutrons qui est donné 12, un nombre de protons qui est donné 11. Nous avons donc 12 plus 11 égale 23 nucléons. Le noyau peut être représenté par sa notation symbolique XAZ. X étant le symbole de l'élément concerné, A, le nombre de nucléons comme nous venons de voir, Z, le nombre de protons. Si nous reprenons l'exemple du lithium, le symbole du lithium, grand L, petit i, le nombre de protons, 3, le nombre de nucléons, 7, nous avons Li, 3, 7. Pour voir si vous avez bien compris cette notation, nous allons faire une petite application. Nous allons travailler sur le noyau de brome et sur le noyau de bore. Déterminer la composition du noyau de brome Br3580. Déterminer le symbole du noyau de bore Z égale 5, N égale 6. Pour le noyau de brome, nous avons Z égale 35, donc 35 protons. Nous avons A égale 80, et donc N égale à A moins Z, 80 moins 35 égale 45 neutrons. Le noyau
est donc constitué de 35 protons et 45 neutrons. Attention, quand on demande la composition d'un noyau, il ne faut pas tenir compte des électrons. Pour le noyau de Bohr, nous avons le symbole du Bohr B, le nombre de protons Z égale 5, le nombre de neutrons N égale 6. Nous pouvons directement mettre le petit 5 ici. Et pour avoir le nombre de nucléons, il faut faire l'opération Z plus N. 5 plus 6 égale 11. Le symbole B5-11. Nous allons nous intéresser maintenant au cortège électronique qui correspond à l'ensemble des électrons de l'atome. Les électrons se répartissent en couches. Couche numéro 1, couche numéro 2, couche numéro 3. Chaque couche peut être divisée en sous-couches qui portent une lettre. S, P, etc. Chaque sous-couche peut contenir un nombre maximum d'électrons. La sous-couche S ne peut contenir que 2 électrons maximum. La sous-couche P, 6 électrons. Les électrons remplissent progressivement les couches et les sous-couches jusqu'à saturation des couches. La dernière couche sera appelée couche de valence. La première couche ne contient qu'une seule sous-couche, sous-couche S. La première couche contiendra au maximum 2 électrons. Nous pouvons voir que la deuxième couche contient, elle, 2 sous-couches. Sous-couche 2S, puis sous-couche 2P. La sous-couche 2S contenant maximum 2 électrons. La sous-couche 2P maximum 6 électrons. La couche 2 contiendra donc au maximum 8 électrons. Nous remplissons ensuite la troisième couche, composée de 2 sous-couches, sous-couche 3S, sous-couche 3P. Il faut savoir qu'il existe d'autres couches électroniques. Nous nous limiterons en seconde à 18 électrons maximum, c'est-à-dire maximum 3 couches. La configuration électronique donnera le nombre d'électrons dans chaque sous-couche. Nous avons ici un exemple de configuration électronique. Nous mettons d'abord le numéro de la couche, suivi de la lettre associée à la sous-couche, et en exposant le nombre d'électrons dans cette sous-couche. Nous avons donc, pour la première couche, 1s2. Si l'atome contient plus de 2 électrons, on remplira la deuxième couche, 2s2, puis 2p6. Si l'atome contient plus de 10 électrons, nous remplirons la troisième couche, 3s d'abord, puis 3p. Et donc, la configuration électronique maximale que nous étudierons cette année est celle-ci à 18 électrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Pour voir si vous avez bien compris cette notion de configuration électronique, nous allons voir trois exemples. Tout d'abord, l'atome de lithium. Nous avons pu voir que l'atome de lithium était composé d'un noyau composé de 3 protons, donc Z égale 3. Il y a donc automatiquement 3 électrons dans l'atome pour avoir un atome neutre. S'il y a 3 électrons, nous remplirons d'abord la première couche, 1s2. Il restera donc un électron qui remplira la deuxième couche, 2s1. Nous avons donc une configuration électronique, 1s2, 2s1, avec pour couche de valence la couche numéro 2. Pour l'atome de sodium, le sodium possède 11 protons dans son noyau. Il aura donc la configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p6, qui rempliront les deux premières couches avec 10 électrons. Il reste encore un électron qui remplira la troisième couche, 3s1. Donc une configuration électronique à 11 électrons, nous aurons 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, avec une couche de valence numéro 3. Pour le phosphore, de la même façon, nous pouvons voir que le phosphore aura 15 électrons, 1s2, 2s2, 2p6. Il restera donc 5 électrons dans la troisième couche, 3s2, 3p3. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Nous allons étudier la configuration électronique de 4 atomes. L'oxygène, le soufre, le chlore et l'aluminium. Nous avons noté la représentation symbolique des noyaux de ces atomes. Z égale 8, 8 protons dans le noyau d'oxygène, donc 8 électrons. Nous aurons donc une configuration électronique. 1s2, 2 électrons. 2s2, 4 électrons. Il reste 4 électrons. 2p4. 1s2, 2s2, 2p4, nous avons bien 8 électrons. Pour le soufre, 16 électrons. 1s2, 2s2, 2p6. Au bout de 10 électrons, nous avons rempli les deux premières couches. Il restera 6 électrons à répartir en 3s2, 3p4. Ensuite, pour le chlore, nous avons 17 électrons, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Il restera 7 électrons dans la dernière couche, 3p5. L'aluminium, 13 électrons. 1s2, 2s2, 2p6,
3s2. Et il reste un électron. 3p1. Quelles seront les couches de valence? Ici, couche numéro 2. Ici, couche numéro 3. Ici, couche numéro 3. Et ici, couche numéro 3. Attention, la couche de valence, ce n'est pas la sous-couche, mais la couche. Dans le tableau périodique, les éléments sont classés par rapport à la configuration électronique de leur atome. Comme nous pouvons le voir, nous avons représenté trois premières lignes du tableau périodique. Pour placer un élément dans le tableau périodique, nous avons besoin de deux informations. Le numéro de sa couche de valence et le nombre d'électrons dans sa couche de valence. En effet, la position dans le tableau périodique dépend de la couche de valence. Si vous avez une couche de valence numéro 3, vous serez ligne numéro 3. Si vous avez une couche de valence numéro 1, vous serez ligne numéro 1. Les colonnes. Les colonnes dépendent du nombre d'électrons dans la couche de valence. Colonne numéro 1, un électron de valence. Colonne numéro 2, deux électrons de valence. Attention, nous avons un saut de 10 colonnes qui n'est pas représenté ici puisque c'est un tableau périodique simplifié avec les 18 premiers éléments uniquement. Nous passons directement de la colonne numéro 2 à la colonne numéro 13. Nous avons un saut de 10 colonnes. Mais on peut se repérer assez facilement parce que, par exemple, la colonne numéro 15, nous aurons 5 électrons de valence. Il y a seulement une exception à ce tableau périodique, l'hélium. Vous voyez, l'hélium est placé dans la colonne 18 alors qu'il n'a que 2 électrons de valence. Nous expliquerons pourquoi il est placé ici dans un chapitre ultérieur. Pour voir si vous avez bien compris le placement des éléments dans le tableau périodique, nous allons faire deux petites applications. Nous allons d'abord retrouver le nom des éléments et la position des éléments dans le tableau périodique à partir d'une configuration électronique. Nous avons par exemple une première configuration électronique en 1s2, 2s2. Nous pouvons observer que la couche de valence est la couche numéro 2 et qu'il a 2 électrons dans sa couche numéro 2. Il sera donc ligne 2, colonne 2. Si je regarde dans mon tableau périodique, ligne 2, colonne 2, nous obtenons le beryllium Pe. Ensuite, nous avons la configuration 1s2, 2s2, 2p5. La couche de valence est la couche numéro 2, nous serons donc ligne 2 également. Par contre, il y a 2 plus 5 égale 7 électrons dans la couche de valence. Nous serons donc colonne 17. Ligne numéro 2, colonne 17, le fluor. La troisième structure électronique, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Nous avons donc 3 couches électroniques, donc nous serons dans la ligne numéro 3. Et 4 électrons dans la dernière couche numéro 3, nous serons donc colonne 14. Nous pouvons voir le symbole SI pour le silicium. Nous allons maintenant essayer de retrouver la configuration électronique des éléments à partir de sa position dans le tableau périodique. Tout d'abord, le bore. Si nous observons dans le tableau périodique, nous voyons que le bore est dans la colonne numéro 13 et dans la ligne numéro 2. Il y a donc 2 couches et 3 électrons de valence. 2 couches, donc la première couche sera saturée 1s2. Deuxième couche, 3 électrons, donc 2s2. 2p1, nous aurons donc bien 3 électrons dans la dernière couche et une dernière couche numéro 2. Le magnésium Mg est sur la colonne numéro 2 et sur la ligne numéro 3. Nous avons donc 3 couches électroniques, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 électrons dans la dernière couche, 3. Et enfin l'argon, qui est dans la troisième ligne, 18e colonne, 1s2, 2s2, 2p6, pour remplir les deux premières couches, et 8 électrons dans la dernière couche, 3s2, 3p6. Nous avons bien 8 électrons dans la dernière couche, numéro 3. Nous avons vu dans les travaux pratiques que des éléments dans la même colonne avaient des propriétés chimiques similaires. L'atome étant composé de protons, de neutrons et d'électrons, nous allons tenter de trouver une méthode pour calculer sa masse. Tout d'abord, nous allons regarder la masse particulière de chacune des particules. Le proton et le neutron ont quasiment la même masse. 1,67 x 10 puissance moins 27 kg. Si nous voulons faire des calculs rapides, nous pouvons prendre une approximation 2 x 10 puissance moins 27 kg. L'électron a une masse de 9,1 x 10 puissance moins 31 kg, soit une valeur approximative de 10 puissance moins 30 kg. Si nous calculons le rapport entre la masse d'un nucléon et la masse d'un électron, nous obtenons environ 2 x 10 puissance moins 27 kg pour le nucléon, et on a dit environ 10 puissance moins 30 kg pour l'électron. Si nous faisons ce rapport, nous obtenons 2 x 10 puissance moins 27 moins moins 30, c'est-à-dire moins 27 plus 30, 2 x 10 puissance 3,
soit 2000. Le nucléon est donc environ 2000 fois plus massique que l'électron. Quelle en sera donc la conséquence? Généralement, nous ignorons la masse de l'électron par rapport à la masse du noyau. En effet, les électrons ont déjà une masse 2000 fois plus faible qu'un nucléon, et en plus, généralement, le nombre de nucléons est environ le double du nombre d'électrons, soit un rapport de 1 pour 4000 entre masse du noyau et masse du cortège électronique. Sachant que la masse d'un proton et la masse d'un neutron est quasiment identique, il suffira donc de connaître le nombre de nucléons pour connaître la masse du noyau. La masse du cortège électronique étant négligeable, connaître la masse du noyau nous donnera la masse de l'atome. A étant le nombre de nucléons, il suffit de faire A fois masse d'un nucléon pour retrouver la masse d'un atome. Si nous reprenons l'exemple du lithium, l'atome de lithium possède 7 nucléons. Il suffit de faire 7 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 pour retrouver la masse d'un atome de lithium. Pour voir si vous avez bien compris cette formule, nous allons faire une petite application. Le noyau de titane possède A égale 48 nucléons. Nous pouvons donc calculer la masse d'un atome de titane. La masse du titane sera donc 48 fois la masse du nucléon. Si nous plaçons A égale 48 fois la masse du nucléon, si nous voulons prendre une approximation de 2 fois 10 puissance moins 27 pour pouvoir faire le calcul de tête, nous obtenons 9,6 fois 10 puissance moins 26 kg. Si nous voulons un calcul plus précis, nous pouvons prendre 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg évidemment. Si nous voulons calculer la masse de l'atome d'or, nous devons tout d'abord retrouver le nombre de nucléons dans l'atome d'or. Nous avons, le nombre de nucléons est égal à n plus z, n est égal à 118, plus z qui est égal à 79, ce qui nous fait 197 nucléons. Nous pouvons ensuite utiliser la formule 197 fois la masse du nucléon. Si nous voulons prendre une valeur approximative, nous prenons 2 fois 10 puissance moins 27, et nous obtenons environ 4 fois 10 puissance moins 25 kg. Ce chapitre est maintenant terminé. N'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires.